Bonjour mes pitchounes. Et oui, c'est bientôt les vacances. Et je vous ai réservé un dernier atelier, les pieds dans l'eau. Écoutez bien. On entend les cigales, les oiseaux, il fait chaud, il fait beau. À vos pinceaux! La peinture? Oui. Bleu. Bleu. Et moi, j'ai... Et Benjamin? La peinture loulée. C'est violet, ça, t'es sûr, Benjamin? C'est bleu, on fait la mer. Mer. La mer. Super! De quelle couleur a Zoé? Rose. Oui, rose. Est-ce que ça chatouille? Un petit peu? Oh, c'est tellement rigolo de se peindre des pieds. On ne le fait jamais, ça. Hein? Est-ce que tu l'as déjà fait, Zoé? Non, jamais? On découpe en vagues la feuille bleue de la mer qu'on colle sur une feuille. Là, j'ai collé sur une feuille bleu ciel qui va le mettre plus en avant. Ensuite, les petits pieds roses qu'on découpe aussi, qu'on va coller vers le bas. Et on rajoutera ensuite le sable et avec la feuille jaune, un beau soleil. Et on aura les pieds dans l'eau. J'ai découpé un joli rond jaune que je vais tout simplement coller en haut. Voilà. Colle, ciseaux, peinture bleue, peinture rose, feuille de couleur et les pieds dans l'eau, c'est parti! Je vais rajouter en bas des pieds du vrai sable de la mer. Et oui, on a de la chance, on habite à côté de la mer, donc on a du vrai sable qu'on va coller ici, en bas. Allez, maintenant Zoé, tu mets le sable. Tu peux le prendre avec ta main, maintenant que tu as bien mis de la colle partout, et tu peux le renverser. Voilà, tu as vu comme c'est doux le sable? C'est tout doux? Voilà, super! Et ça va se coller sur la colle. Partout, partout. Tout là où tu as mis la colle. Bravo! Ouais, bravo Zoé. Qui c'est qui allait chercher le sable à la mer? Zoé! C'est Zoé qui a rempli un seau de sable? Oui. Plein, plein, plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Les enfants choisiront leur coquillage, nacre, spirographe qu'ils appellent tube, le pied de pélican, des cirés de goumier qu'ils appellent rodoudou. Donc ils ont le choix, ils choisissent, on n'a plus qu'à poser après dans le sable. Une fois disposé dans le sable, je n'ai plus qu'à les coller au pistolet à colle. Donc ça c'est moi qui le fais, ou maman ou papa. Et ensuite, ça y est, on peut partir en vacances. Le sable, la mer, le soleil, les pieds dans l'eau, et on y est. Le travail est terminé, les coquillages sont collés. La mer aussi, le soleil, les petits pieds. Pour les plus grands, ils ont fait les formes de vagues en vagues. Du coup, on n'a pas découpé, on n'a pas collé sur une feuille de couleur. On peut le faire aussi comme ceci. Tout simplement, sur la même feuille, on fait les vagues, on colle le sable, les coquillages et le soleil. Ou avec une feuille colorée d'une différente teinte, on découpe en forme de vague, on colle le soleil, on colle le sable, on colle les coquillages et les petits pieds. Et ça nous donne les pieds dans l'eau. À vos pinceaux, allez chercher du sable, des coquillages. Et voilà mes pitchounes, l'atelier est terminé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous pouvez quand même envoyer vos réalisations. Même si je suis en vacances, je regarderai. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, je vous répondrai. Je vous envoie plein de bisous et à la rentrée.